Je te laisse fermer, Pierrot. Étape 4. Première arrivée au sommet. Est-ce que ça va être une échappée? Est-ce que ça va être un règlement entre les favoris? On ne sait pas trop aujourd'hui. On va voir le début de course, comment ça se passe. Il faudra être vigilant. Je sais que Pierre peut être très très à l'aise sur cette dernière montée. Je pense qu'il va falloir être attentif au début de course pour voir un petit peu les équipes qu'il contrôle. Premier grand tour, deuxième du circuit. Circuit cycliste de Sartre et Canoir l'année dernière. C'est Quentin Paché. On se devait d'être présent dans l'échappée, surtout si c'était un groupe bien composé, peut-être. Au final, on n'était que 6. Après, bien composé, ça l'était parce qu'il y avait des coureurs comme Nils Polite, Tige Benoot, donc c'est des sacrés coursiers. Donc, quand je les ai vus devant, qui se lançaient dans le boulot, je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion. Et puis, une fois que c'est parti, après, on y va, quoi. Feu. Ah, ça fait plaisir, c'est la plus belle course du monde. Et je suis arrivé ici en me disant que je voulais être acteur. Donc, ça faisait 3 jours que voilà, j'étais au service de Brian, un peu de Pierre. Je suis rentré dans le vif du sujet, ce que j'aime faire, me projeter vers l'avant et tout ça. Du coup, j'en ai profité pour faire quelques points en grimpeur. Il n'y en a pas, c'est pas des gros points, mais c'est des petits points qui, si jamais je me retrouve en bonne situation pour jouer le maillot plus tard, ils peuvent être utiles. Voilà.